Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, chers frères, bonsoir, chères sœurs. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je voudrais faire un enseignement. C'est quel sort est-il réservé aux méchants et aux incrédules? Alors, le but, bon, c'est aussi de pouvoir toucher ceux qui ne sont pas croyants, pouvoir les sensibiliser, les toucher leur cœur, et puis nous rappeler vraiment la chance, l'honneur que nous avons de pouvoir avoir la foi. Donc, voilà, alors, je lance quelques invitations et puis voilà, et puis je vais commencer. Donc nous sommes en direct sur Facebook et je suis en train d'enregistrer la vidéo pour qu'elle puisse être également diffusée sur YouTube. Donc le but, ça serait de pouvoir en faire profiter aussi à ceux qui seront sur YouTube. Donc elle sera diffusée là-bas aussi. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui regardent les enseignements sur YouTube. Voilà. Donc, alors ce sujet, bon, va nous permettre de nous-mêmes d'être fortifiés par cette bonne nouvelle du salut que nous avons par la foi. Ce n'est pas en vain que nous avons cru, comme l'a dit la Bible, parfois ce n'est pas en vain qu'on a cru, c'est pour la résurrection, pour l'éternité. Donc c'est vraiment un grand avantage à être enfant de Dieu, un grand bénéfice éternel à avoir la foi. La foi, c'est tellement important d'avoir la foi. Voilà, donc j'ai lancé quelques invitations et puis on va commencer. Voilà. Donc, hop, on va commencer. Voilà, voilà. Bonsoir, bonsoir. Père éternel, créateur du ciel et de la terre, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu fort, je te rends grâce et je te remercie pour le vouloir et le faire que tu donnes. Je te remercie de ton esprit, de ton amour que tu déposes dans le cœur de chacun, l'amour de ta parole, de la connaissance, l'amour de l'enseignement, l'amour de notre prochain, l'amour de toi, Père.
de Jésus-Christ, de ton Esprit Saint. Merci Père de remplir ma bouche, de me conduire et de toucher ceux auxquels tu veux parler, Père, ceux auxquels tu veux donner ce message, qu'il puisse être touché jusqu'à la repentance et jusqu'à la conversion et jusqu'au baptême. Père, je te prie, dans le nom de Jésus, donne-moi sagesse, intelligence, discernement, force et autorité dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Donc, bonsoir à tous. Alors, la Bible dit dans Psaume 92, Psaume 92, dans Psaume 92, verset 6 à, alors, Psaume 92, verset 6 à 7. Alors, je vais lire Psaume 92, verset 6 à 7. L'homme abruti n'y connaît rien. Et le fou n'entend point ceci, savoir que les méchants croissent comme l'herbe et que tous les ouvriers d'iniquité fleurissent pour être exterminés éternellement. Alors ça c'est fort parce que Dieu déclare que il y a énormément de méchants, de méchanceté, il y a énormément de personnes qui font semblant de, par exemple, dans des religieux, par exemple, les ouvriers d'iniquité, souvent les ouvriers d'iniquité, ce sont des ouvriers, c'est-à-dire des gens qui travaillent en apparence pour Dieu, mais qui ne servent pas Dieu comme il faut. Ils font semblant. Donc, les ouvriers d'iniquité, ce sont des personnes qui se font passer pour des ouvriers, mais qui ne sont pas des bons ouvriers, qui sont des ouvriers d'iniquité. Donc, c'est le mensonge, quoi. Donc, en fait, Dieu rappelle qu'il y a énormément de méchanceté, énormément de tromperie, et que lui le sait, et que lui, il agira, et que ces personnes ne seront pas laissées sans une justice divine. Donc, en fait, Dieu s'occupe de la méchanceté. Souvent, on se dit, nous, mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas jugés? Pourquoi est-ce qu'on ne les arrête pas? Mais en fait, tous ceux dont on a l'impression qu'ils ne seront pas, qui passent entre les mailles du filet en réalité, ils n'y passent qu'en apparence pendant un moment. Mais à un moment donné bien précis, tous les méchants seront devant le tribunal de Dieu et la sentence sera grave. La sentence sera grave, bien plus grave que s'il n'avait été en prison, bien plus grave que tous les jugements d'hommes. Donc la sentence devant Dieu, passer devant le trône de Dieu pour être jugé quand on est un méchant ou un trompeur, mensonger, là c'est pas bon de tomber devant Dieu. C'est pas bon d'attendre le dernier moment et d'attendre de pas soi-même se s'humilier devant Dieu. C'est très très mauvais parce que c'est vraiment très 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 mauvais parce que vraiment Dieu, autant il est merveilleux, plein de compassion, de miséricorde, mais autant quand on s'endurcit, qu'on ne se repent jamais et qu'on s'entête, mais après la sentence, elle est terrible, c'est l'éternité en enfer. C'est l'éternité en enfer à cause de quoi? Du mensonge, à cause de la tromperie, à cause de la fausseté, à cause de la fausse religion, à cause des sectes. Et ça, c'est terrible. Donc, Dieu dit que les méchants, ils grandissent comme l'herbe, ils croissent, il y en a partout. Il y a partout, partout, partout. Alors, c'est vrai que on a l'impression, donc, quand on est entre nous, qu'il y a beaucoup de foi, beaucoup de chrétiens, qu'on est nombreux, qu'on est une famille nombreuse, mais Dieu dit que à côté de ça, il y a énormément de méchanceté. Donc, finalement,
Par rapport à l'ensemble de la planète Terre, on pourrait dire qu'on n'est pas nombreux. Par rapport à l'ensemble de la planète Terre, si les méchants croissent comme l'herbe, ça veut dire qu'ils sont nombreux. Ils se multiplient, ils se multiplient, et ils ne se cessent pas de se multiplier. Donc ça foisonne sur la Terre de méchanceté. Ça foisonne de méchanceté, de méchanceté, de personnes qui ne veulent pas reconnaître Dieu et qui s'entêtent dans la méchanceté. Et Dieu dit qu'ils seront exterminés éternellement. Donc là, on parle vraiment du feu de l'enfer, des flammes de l'enfer, de cette éternité qui est la vengeance de Dieu envers toute injustice, envers toute incrédulité. C'est le jugement de Dieu, c'est la colère de Dieu pour toute incrédulité et toute méchanceté d'homme. Toute personne qui ne... Parce qu'on peut être méchant et puis se convertir, devenir un agneau. Donc le tout, c'est pas... Le problème n'est pas d'être méchant, mais le problème, c'est de rester méchant et de s'entêter là-dedans. Puisque au final, être méchant, c'est vrai, c'est un problème. Mais c'est ce qui est le problème, c'est de le demeurer. Donc tout est possible avec Dieu. Un méchant peut devenir un agneau. Une brebis, un méchant peut devenir un homme adorable lorsqu'il est touché par la grâce de Dieu. Donc, être méchant ne veut pas dire être condamné, mais être condamné, c'est celui qui ne veut pas changer et qui ne veut pas se reconnaître comme puissamment malade, comme malade. Le principal, c'est que quel que soit le péché, quelles que soient nos difficultés, quel que soit le sale caractère, je dirais, nos sales désirs, nos sales pulsions, notre sale sexualité, notre sale perversion. Ce qui est important, c'est non pas comment dire, de se dire, voilà, c'est ne pas se dire, c'est pas possible, je peux pas changer. Ce qu'il faut se dire, c'est je suis comme ça. Je m'approche de Dieu parce que Dieu peut me changer. Dieu, dans son amour, s'il a donné son Fils Jésus-Christ pour moi, il est capable de me changer. Tel que je suis, sale, souillé comme je suis, je m'approche de Dieu. Je tombe, je pleure à genoux devant Dieu, et ce Dieu-là peut me laver, me purifier, me sanctifier. Parce qu'il est écrit que c'est le sang de Jésus-Christ qui purifie. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Toute incrédulité peut être vaincue par l'amour de Dieu. Tout incrédule que tu es, tu dis dans ton cœur, Jésus-Christ, donne-moi la foi, viens me sauver, viens me délivrer de cette sale incrédulité, dans cette vie que je mène et que autant je peux aimer certains, autant je peux détester les autres. Aide-moi à être capable d'aimer toute ta création. Aide-moi à être capable d'aimer tous les hommes. Comment est-ce que je peux tantôt aimer, tantôt détester? Comment est-ce que je peux aimer les uns et mépriser les autres? Comment est-ce qu'un jour je peux être joyeux et le lendemain irascible et faire du mal autour de moi? Comment est-ce que je peux être luné un jour de bon pied et le lendemain de mon mauvais pied? Pourquoi est-ce que je fais du mal autour de moi? Père, au nom de Jésus, viens à mon secours, aide-moi. Aide-moi à ne plus faire du mal autour de moi. Aide-moi à ne plus être méchant. Et donc tu peux prier à haute voix. Tu peux dans ton cœur supplier Dieu, supplier Jésus-Christ de venir t'aider. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Donc peu importe si quelqu'un est méchant, peu importe si quelqu'un a été méchant, a passé des années dans la méchanceté sans savoir comment s'en sortir, il y a un Dieu tout-puissant qui délivre de la méchanceté. Parce qu'il y a un Dieu qui est venu justement pour vider l'enfer, pour vider l'enfer et remplir son ciel, remplir son paradis. C'est ça, en fait, la bonne nouvelle. C'est qu'on n'a pas besoin de mourir, on n'a pas besoin de passer par l'enfer. Jésus-Christ l'a fait pour nous, pour que nous puissions aller au ciel. Et c'est ça qui est excellent.
C'est ça qui est excellent. Dans la Bible, il est dit au psaume 145, verset 20. Au psaume 145, verset 20. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il exterminera tous les méchants. Donc, Dieu va garder tous ceux qui reconnaissent Dieu. Ne pas aimer Dieu, c'est quoi? C'est refuser de croire dans son cœur qu'il est ton créateur. Ne pas aimer Dieu, c'est tout simplement l'ignorer, tout simplement. Ne pas aimer Dieu, c'est l'ignorer tout simplement. La plus grande, la plus simple forme de mépris envers quelqu'un, la simple, une forme de mépris qui est très bien connue de la nature humaine, c'est d'ignorer quelqu'un. Ignorer quelqu'un, c'est une façon de l'affecter, de lui faire du mal. Si tu veux faire du mal à quelqu'un, tu sais très bien qu'en ignorant, tu lui feras du mal. Eh bien, toute personne vivante qui ignore le Dieu vivant, qui reconnaît qu'il est son créateur, eh bien, toute personne qui ignore que Dieu est vivant, Dieu est là, disposé à t'entendre, disposé à s'approcher de toi si tu veux bien t'approcher de lui, mais si tu refuses, si tu refuses cet amour, si tu refuses de croire en ton créateur, eh bien, alors que tu as des années sur terre pour l'accepter, si tu le refuses tout le temps, jour après jour, jour après jour, eh bien, Dieu dit qu'il exterminera, il finira par exterminer ce qui lui résiste. Et comment devenir une personne tout ordinaire dans ce monde et devenir méchant? Comment est-ce qu'une personne, un homme, une femme de famille, peut-elle être appelée méchant ou méchante? Eh bien, on devient méchant lorsque justement on ignore Dieu. Il suffit d'ignorer Dieu, de dire, mais moi je crois pas en Dieu, moi je n'y crois pas, tout ça c'est des histoires, alors que tu vois très bien que le monde ne peut pas se créer tout seul. Tu vois très bien que tout a été fait par une main puissante, une intelligence extraordinaire. Même pour faire une maison elle ne se fait pas toute seule. Et pourtant, une maison, c'est que de la pierre, quelque chose qui ne bouge pas. Et pourtant, tout ce monde est vivant. Toute cette planète, elle est vivante. Elle est faite d'êtres, d'animaux, d'humains, de planètes, d'un ciel, d'une terre, de plantes, de végétaux, de tout est vivant sur la Terre. Donc, il y a forcément une intelligence au-dessus de tout ça qui gère toutes les lois de la Terre et qui en a été l'auteur. Ça ne peut pas être possible autrement. À moins d'être volontairement aveugle et volontairement de résister à cet appel de Dieu, parce que Dieu, à travers ses œuvres, nous demande de l'aimer. À travers sa création, Dieu nous appelle à l'aimer. En fait, au travers des yeux, par nos yeux, par les odeurs, le parfum des plantes, les parfums de l'herbe, les parfums dans les bois, les parfums au bord de la mer, tout ça, c'est des œuvres de Dieu. Et toutes ces œuvres de Dieu sont faites pour toucher l'homme, pour que chacun puisse reconnaître l'immensité d'un créateur plein d'amour envers sa création, mais aussi envers ses créatures. Et Dieu se fait connaître au travers de ses créations. Donc, comment peut-on résister à cette déclaration d'amour de ce Créateur qui se cache pour être reconnu par des cœurs qui n'ont pas besoin de le voir, mais qui ont tout simplement eu besoin d'accepter, de comprendre que c'est Dieu qui est l'auteur. En fait, si Dieu se manifestait, il n'y aurait plus de foi. Si Dieu était visible, ça serait plus la foi. Puisque la foi, c'est croire en celui qui n'est pas visible. La foi, c'est lié à l'espérance. Donc, certains voient Jésus, certains le voient dans les songes, certains le voient en vrai, certains ont visité le ciel. Mais
La foi, c'est surtout ne pas voir et croire sans avoir vu. Et Dieu, c'est ça qu'il veut par-dessus tout. Après, une fois la foi, Dieu peut se manifester à nous, se montrer à nous. Mais Dieu veut que les hommes soient touchés, pas parce qu'ils l'auront vu au préalable à Dieu, mais parce qu'ils auront cru sans l'avoir vu. Et c'est vrai que les hommes, les femmes qui aiment avoir des jardins, des fleurs, des roses, des parcs, des enfants, une maison, avoir des amis, avoir la joie, le rire, avoir avoir la nourriture, les légumes, les fruits, tout ça, et ne pas reconnaître Dieu, mais à la fin d'une vie, toute cette résistance pour ne pas croire en Dieu, surtout quand Dieu cherche à parler à ces personnes au travers d'un fan de Dieu, parce qu'on résiste au témoignage, on dit, mais Dieu t'aime, Dieu il t'aime, si je te parle, c'est parce que Dieu parle à travers moi. Donc autant de résistance, c'est autant de dureté, d'ignorance envers Dieu. Donc c'est pour ça que cette ignorance, elle est coupable. Faut savoir que ignorer, c'est être coupable d'une absence d'amour. Ignorer Dieu, c'est être sans amour à l'égard de Dieu. Et ça, c'est un acte de méchanceté. Toute personne, tout homme, toute femme, tout adolescent, toute personne âgée, quelle qu'elle soit, même si elle a fait du bien à quelqu'un, si elle a fait du bien à droite, qu'elle a fait du bien à gauche, qu'elle a fait du bien devant, dehors, mais si elle n'a pas été devant Dieu, si elle n'a pas reconnu ce Dieu vivant comme étant le Dieu d'amour, au fond, cette personne reste une personne méchante, car elle n'a pas été sensible à l'amour, à l'appel de Dieu. Parce que forcément, Dieu a un appel sur les âmes. Forcément, pour chaque homme vivant, chaque femme, Dieu a un témoignage. Dieu s'est approché de ces personnes pour leur dire que Dieu t'aime, que Dieu, il est vivant, Dieu, il te parle. Donc, voyez, c'est forcément, tout le monde est coupable devant Dieu. Tous ceux qui ne l'ont pas aimé, tous ceux qui ne l'ont pas accepté, ils sont coupables devant Dieu. Donc quand ils meurent, ce ne sont pas que des pauvres gens qui sont morts sans Dieu, ce sont aussi des personnes coupables et pour Dieu des personnes méchantes. Moi j'aime tous ces hommes, toutes ces femmes, mais c'est vrai que quand on résiste, résiste, résiste à Dieu, à son appel, on finit par devenir méchant. Pas simplement méchant envers les hommes, envers les femmes, mais surtout aussi méchant envers son créateur. On a lu le psaume 145, verset 20. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il exterminera tous les méchants. Donc c'est l'extermination, hein? L'extermination. Pas de paradis sans l'amour de Dieu. Pas de paradis sans l'amour de Jésus. Parce que suffit pas de dire Dieu, 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 mais il faut aussi de sa bouche croire en Jésus-Christ. Suffit pas de dire oui, il y a un Dieu, mais il faut aussi confesser Jésus-Christ et croire avec son cœur. Sans la foi opérante par l'amour, impossibilité de voir le paradis. C'est ça vraiment que chacun doit se saisir de ça et que personne ne se couche, que personne ne se couche sans accepter Dieu. Après avoir entendu ce message, toute personne qui n'a pas entendu Dieu, qui n'a pas accepté l'amour de Dieu, toute personne qui entend ce message, qu'elle s'humilie dans sa chambre, qu'elle se mette à genoux et qu'elle supplie Dieu, qu'elle demande pardon à Dieu pour son incrédulité et qu'elle accepte Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie et qu'elle demande pardon, qu'elle accepte le sang de Jésus-Christ pour le salut de son âme, pour la purifier esprit, âme et corps, et qu'elle demande à Dieu de recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté, et de prier et de dire au nom de Jésus, Amen, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça la réussite sur la terre. Avant de continuer à chercher du matériel, avant de continuer à chercher des acquisitions, des positions, des bénéfices, des dividendes, des investissements.
Ce qui est super important, c'est de se poser et d'accepter Dieu, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. C'est ça, aujourd'hui, l'objectif numéro un majeur de toute âme humaine. C'est ça, parce que le sort réservé aux méchants, c'est horrible. C'est juste, parce que tout ce que Dieu fait juste, mais c'est horrible de savoir que ces choses-là arrivent, vont arriver, et de n'avoir rien fait pour échapper à ça, échapper et être reçu dans le paradis de Dieu. Donc c'est vraiment, vraiment important de recevoir Dieu, l'amour de Dieu, et de ne plus être compté dans le lot des méchants. De ne plus être compté dans le lot des méchants, parce que la Bible nous dit bien qu'il y a énormément de méchants sur terre qui fleurissent, ils fleurissent, ils fleurissent pour être détruits, comme l'herbe des champs. Ils seront détruits s'ils ne se repentent, s'ils ne se convertissent pas, ils seront détruits. Donc voilà. Donc que toi qui entends ce message, eh bien, que tu fasses le nécessaire. Ce n'est, il n'y a rien de plus important, rien de plus important. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Il est écrit dans Psaume 7, versets 11 à 13, Dieu fait droit aux justes et le Dieu fort s'irrite tous les jours contre les méchants. Donc Dieu s'irrite quand la méchanceté est là, quand la méchanceté est faite envers ton prochain, envers son prochain, Dieu s'irrite face à la méchanceté. Dieu n'est pas aveugle. Dieu est patient. Dieu ne tonne pas sur toi. Dieu ne fait pas tomber sur toi sa colère immédiatement. Dieu ne punit pas le péché de tous les pécheurs instantanément. Mais Dieu voit tout. Et tout ce qui fait mal, ça irrite Dieu. Tout détail qui sont faits pour blesser le prochain, ça irrite Dieu. Et Dieu s'irrite fort tous les jours contre les méchants. Si le méchant ne se convertit, Dieu aiguisera son épée, l'épée de l'enfer, l'épée de l'enfer. En enfer, ça sera comme des épées qui transperceront les gens. Ça sera comme comment dire, comme des persécutions, mais pour éternelles, des supplices éternels dans l'enfer qui seront le résultat de la récompense que Dieu va donner. Ça sera la rétribution qui sera faite aux méchants pour l'éternité. Si le méchant ne se convertit, Dieu aiguisera son épée et l'épée de Dieu. Dieu utilisera des instruments pour faire ce travail à sa place. Et il utilisera, s'il faut, des démons, des esprits impurs, des esprits méchants dans l'enfer, ou Satan dans l'enfer. Il a bandé son arc, il a ajusté, il a préparé contre lui des armes mortelles. Il mettra en œuvre ses flèches contre ses ardents persécuteurs. Quand on est méchant, non seulement on est méchant, mais on persécute Dieu. À chaque fois que tu résistes contre Dieu, tu le persécutes par ta méchanceté, par ta résistance, ton cœur dur, ta dureté, quand tu t'entêtes dans de mauvaises voies, eh bien, tu es en train de persécuter Dieu. Dieu est plein d'amour. Dieu est riche en amour. Dieu est d'une bonté extraordinaire. Et Dieu a du mal de voir cette souffrance, cette méchanceté parmi les hommes. Et de pas accepter son salut, de pas accepter son fils Jésus-Christ. Alors c'est son cadeau pour toi, eh bien, de résister. Tu persécutes Dieu. Dieu parlera. Et aussi, quand tu persécutes Dieu, c'est lorsque tu persécutes des enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu qui est persécuté, même si tu ne le fais pas envers Dieu, contre Dieu, bien à chaque fois que tu persécutes un enfant de Dieu, tu es en train de persécuter un chrétien. À chaque fois que tu persécutes un chrétien, tu es en train de persécuter Dieu. Chaque fois que tu fais du mal à un chrétien, chaque fois que tu parles mal à un chrétien, tu fais du mal à Dieu, tu persécutes Dieu.
Et ça, on trouve ça dans le psaume 7, versets 11 à 13. Donc le sort réservé aux méchants est terrible. C'est pour ça que je dis, donne ton cœur à Dieu, toi qui entendras ce message et qui n'es pas converti, donne ton cœur à Dieu, ne t'endors pas, que ton sommeil ne se trouve jamais la paix jusqu'à ce que tu aies donné ta vie, que tu te sois mis à genoux dans cette chambre et que tu aies demandé pardon à Dieu, que tu acceptes Dieu, mais aussi que tu acceptes l'amour de Jésus-Christ dans le nom de Jésus, parce que tu as beau être méchant, avec Dieu, tout est possible et ta méchanceté peut être anéantie par la puissance de Dieu pour que tu deviennes une personne, un agneau, une personne extraordinairement agréable. Et tu peux être transformé d'une personne brutale, méchante, à une personne extrêmement douce. Voilà, parce que Dieu l'a fait avec nous et Dieu peut le faire avec toi. Dieu veut le faire avec toi. Donc voilà, je prie et j'ai espérance que tu feras cela en voyant cette vidéo. Donc, je vous remercie tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous remplisse de sa paix, de son amour et de sa joie. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Tout le peuple dit Amen. Et merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Et vous retrouvez la vidéo sur YouTube si vous voulez la partager. Partagez cette vidéo. Faites de l'évangélisation. Vraiment touchant les âmes et qu'elles appartiennent à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Salut, salut.